Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, le propos, c'est de parler avec vous de la Turquie, de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, de sa demande d'intégrer l'Union européenne. Donc ça sera la première partie du propos et ensuite on évoquera ensemble une partie un petit peu plus courte mais néanmoins très intéressante, l'entrée des pays des Balkans dans l'Union européenne. Voilà. Alors, pour la Turquie, je vais tenir mon propos pendant environ trois quarts d'heure. Pour les Balkans, une demi-heure. Et puis après, on engagera le dialogue. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez poser sur le sujet qui est très, très, très vaste. On vient de parler d'un chaos politique, là, d'un chaos social avec ce qui se passe en France. On va parler d'un chaos politique avec ces négociations qui durent déjà depuis un certain nombre d'années sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Alors, avant d'attaquer sur la Turquie, je vais scinder mon propos en 3-4 parties. Un très bref rappel historique de l'Empire ottoman. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique de l'Empire ottoman, c'est à la fois passionnant, mais bon, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais un très bref rappel de l'Empire ottoman pour se remettre en situation historique. Parce que vous le savez, il ne faut jamais perdre de vue la situation historique et les références historiques pour comprendre le présent. L'Empire ottoman, c'est quoi? C'est pendant 7 siècles, à partir de 1200 jusqu'à 1900, une puissance turque, musulmane bien sûr, parce que les Seljoukides ont été convertis à l'islam, une puissance turque qui se développe, qui progresse d'abord sur le bassin méditerranéen, l'Arabie, l'Afrique du Nord, et puis qui va progresser par la suite sur l'Empire byzantin, sur les Balkans et jusqu'en Europe centrale. L'Empire byzantin, pourquoi l'Empire byzantin? Parce que c'est l'ennemi héréditaire des Turcs. L'Empire byzantin, c'est la deuxième Rome. Vous le savez, après la chute de Rome en 453 après Jésus-Christ, il restait la Rome orientale, Byzance, Constantinople, qui tenait le choc face à un monde, j'allais dire, barbare. Donc nos amis ottomans, alors je dis souvent nos amis ottomans parce que j'ai rien contre les Turcs. Comprenez bien mon propos aujourd'hui, je ne suis pas anti-turc, pas du tout. Ils sont dans une logique, ce que je vais essayer de démontrer ce matin, c'est la logique des Turcs, c'est la logique des Ottomans qui est précise, qui est annoncée, qui est en pleine clarté. Donc aucun propos malveillant de ma part. Donc cette logique ottomane, c'est de conquérir petit à petit le monde occidental, donc ils vont le faire très rapidement, la chute de Nicopolis, la chute de Nicée, tout ça ce sont des villes grecques de la mer Égée, et on arrive, hélas, avec la date de 1453, qui est une date pour nous de civilisation judéo-chrétienne, une date marquante, une date symbole, puisque c'est la chute de Constantinople. 1453, c'est la prise de Constantinople par les Ottomans. Et la prise de Constantinople, c'est la signification claire d'une ambition impérialiste et religieuse de l'Empire ottoman. Alors, il ne reste plus à cette époque plus rien du tout de l'Empire byzantin, et les Turcs ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, puisque quelques années plus tard, ils vont prendre le contrôle du Caire en Égypte. Quelques années plus tard, ils vont le monter un petit peu plus vers l'Europe centrale, prendre possession de l'ensemble des Balkans. On le verra quand on va intervenir sur l'entrée des Balkans dans l'Union européenne. Ils vont prendre possession des Balkans et ils vont arriver jusqu'à l'extrême limite en Europe centrale avec le siège de Vienne en 1683. Alors ces dates, pour moi, il faut toujours les avoir présentes à l'esprit. Pourquoi? Parce que si ces dates n'existaient pas, on n'en serait pas là où nous sommes. Si ces dates existent, c'est qu'il y a une menace historique, d'une confrontation politique impérialiste entre le monde ottoman, islamo-ottoman, et le monde chrétien. On fait encore partie du monde chrétien, même si, pour certains d'entre nous, l'histoire chrétienne est plus une histoire culturelle qu'un véritable vécu actuel, mais peu importe, c'est notre histoire. Donc, l'ultime montée, l'ultime impérialisme des Ottomans, c'est 1683, le siège de Vienne. Le siège de Vienne, c'est l'arrêt, le coup d'arrêt à la montée en Europe centrale de la progression des Ottomans. Et ce coup d'arrêt, on le doit à qui? On le doit bien sûr à nos amis autrichiens,
mais on le doit aussi à nos amis polonais, puisque c'est le prince Jean Sibiewski II de Pologne qui, à la tête de sa cavalerie, est venu desserrer l'étau ottoman sur le siège de Vienne en 1683 et a permis que l'Europe centrale ne devienne pas ottomane et a permis que nous, aujourd'hui, en 2019, nous soyons ce que nous sommes. Voilà. Ça, c'est très important, parce que serait devenue l'Europe si Vienne était tombée? Si Vienne était tombée, toute l'Europe centrale serait passée aux mains des Ottomans et probablement une grande partie de l'Europe occidentale. Donc, on a démarré en 1200, on se situe en 1683, vous voyez l'apogée grandissante de cet empire impérialiste. Précisons une petite chose aussi, il faut toujours aussi en parler, j'aime bien en parler, c'est que les huit croisades qui ont eu lieu de 1089 à 1290, qui avaient des buts particuliers, on ne va pas revenir là-dessus, mais ont eu un effet de ralentissement, de recul sur la montée impérialiste des Ottomans. S'il n'y avait pas eu les croisades, les Ottomans auraient gagné du temps, certainement, sur leur montée en Europe centrale et sur les Balkans. Donc, rendons grâce aux croisés qui, par leur action, ont quand même ralenti la progression ottomane. Donc, on se situe en 1700. Alors, je passe assez vite parce que, je vous l'ai dit, je ne fais pas l'histoire de l'Empire ottoman, mais je vais quand même vous citer une phrase de Soliman. Soliman, un grand sultan, il y a eu, voilà, le magnifique, il y a eu 36 sultans, hein, 36 sultans dans la période de croissance et dans la période de décadence. Donc Soliman, alors il a dit deux choses. Soliman, en 1530, il a dit « Mon objectif suivant après Constantinople, c'est la prise de Rome. » S'il avait pu le faire, il l'aurait fait, il ne s'est pas gêné. Donc c'était affiché. Ce qui est bien avec eux, et vous le verrez avec Erdogan, avec l'AKP et les frères musulmans, c'est que tout est clair, tout est affiché. On ne se masque pas les choses. On donne les buts impérialistes sont donnés. Donc il dit « Je vais m'approprier Rome ». Il dit aussi une chose à peu près dans les années 1530, alors une phrase que je vais vous citer, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, vous devez le savoir, si vous êtes passionné d'histoire, il y avait des princes occidentaux, dont François Ier, qui ont eu des relations assez étroites avec les Ottomans, pour ne pas dire plus. Donc que disait Soliman à cette époque-là? Il disait, écoutez bien cette phrase, « Avec les princes chrétiens, toutes les alliances sont possibles, mais elles ne feront jamais oublier les buts ultimes que sont la conquête et la conversion. Toutes les alliances sont possibles, mais elles ne feront jamais oublier les buts ultimes que sont la conquête et la conversion. » Ça, c'est une phrase prononcée en 1530. Regardez comme si elle est actuelle aujourd'hui. C'est clair. Hein? C'est magnifique. Et à l'époque, il n'y avait pas les frères musulmans. Il y avait l'islam conquérant qui n'était pas encore, j'allais dire, influencé par les grands prédicateurs égyptiens qui ont créé l'islam des frères musulmans. Alors, à partir de 1600, déclin de l'Empire ottoman, petit à petit, les nationalismes ressurgissent dans les Balkans, les indépendances d'un certain nombre de pays des Balkans, et l'indépendance d'un pays qui nous est cher, c'est la Grèce. Vous voyez notre ami, là-bas, la Grèce, 1830, la Grèce obtient dans le sang, dans des rivières de sang, et je précise les rivières de sang, son indépendance vis-à-vis des Ottomans. Pourquoi je dis des rivières de sang? Parce qu'il y a un tableau de Delacroix qui s'appelle les massacres de Sceaux. Les massacres de Sceaux vous montrent à quel point les Ottomans ont été barbares. Ils ont pris le contrôle d'une île grecque qui s'appelle Sceaux. Il y avait 30 000 à 40 000 Grecs. Une fois qu'ils sont partis, il n'y avait plus un seul Grec. Ils ont tous été exterminés. Donc, 1830, la victoire des Grecs, soutenue cette fois-ci, 2-3 ans auparavant, par la victoire de Navarin, la grande victoire des Occidentaux, les Britanniques, les Russes et les Français cette fois-ci, contre la flotte ottomane. J'ai oublié de vous dire une chose, vous qui allez souvent à Fourvière, vous avez une fresque magnifique, c'est la bataille de Lépante, 1571. La bataille de Lépante, c'est aussi un autre coup d'arrêt donné par les flottes occidentales à la progression ottomane, 1571. Donc il y a une immense fresque qui retrace cette victoire chrétienne pour ralentir la progression de l'Empire ottoman. Donc, on se situe à l'indépendance de la Grèce. Progressivement, fin du XIXe siècle, les pays des Balkans deviennent indépendants
aidé en cela par l'Empire austro-hongrois qui a des velléités impérialistes sur les Balkans. Et puis, fin du 19e siècle, on constate quoi? On constate que le Kaiser se rapproche du sultan Abdelhamin II, qu'on a appelé Abdelhamin le Rouge, en 1900, parce qu'il avait commencé à génocider les Arméniens, mais c'était une broutille. 200 000 Arméniens génocidés, c'était pas grave. Et Smyrne. Et puis Smyrne, mais Smyrne, je vais en parler, je vais parler de Smyrne après. Hein, je vais parler de Smyrne. Donc, on se trouve avec une alliance, non pas de circonstances. Tu m'as dit que j'allais taper un peu sur les Allemands, je suis déjà libre. Non pas de circonstances, mais idéologiques, entre le pan-germanisme prussien de Guillaume et de Bismarck et les visions impérialistes des Ottomans. Donc une alliance économique et militaire. Alors, militaire parce qu'une alliance secrète a été scellée entre Guillaume II et nos amis ottomans pour lutter contre l'ennemi commun qui était le tsar et qui était les Russes. C'est ce qu'on va voir en 1914. Et puis une alliance économique puisque Guillaume II avait son grand projet de BBB. BBB, ça veut dire en allemand Berlin, Bahnhof, Bagdad ou Bassora, c'est-à-dire la ligne de chemin de fer qui devait relier Berlin, Bagdad et Bassora, en passant par la Turquie, cette grande ligne de chemin de fer. Grand projet, initié bien sûr par les Prussiens. Donc ça, c'est l'aspect économique. Une alliance est scellée. On se retrouve au début du XXe siècle avec le début de la guerre 14. Les Ottomans, les Turcs sont les alliés des Allemands. La guerre s'engage. Nos amis ottomans déclarent la guerre aux tsars et aux Russes et la première grande bataille a lieu dans le Caucase. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est toujours dans la mémoire des Russes et des Turcs. Première bataille dans le Caucase, et dans le Caucase c'est la première grande défaite des Ottomans, puisque les Ottomans, les Turcs vont avoir 90 000 morts, ils sont battus par les Russes. Nous sommes en 1914, fin 1914, début 1915, avec une défaite aussi cuisante, les Ottomans doivent trouver un bouc émissaire, et le bouc émissaire, il est tout trouvé. Bien sûr, vous le savez, si parmi vous, vous avez des origines arméniennes, ce sont nos amis arméniens qui sont désignés les boucs émissaires de cette grande défaite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vous passe pas le génocide, parce que bon, c'est assez horrible. Vous avez un livre qui est très bien fait, Sinoué, hein, si vous voulez vous lire ce qui s'est passé. C'est un roman, mais c'est un roman historique, hein, sur le génocide arménien. Donc, les Turcs vont désarmer les Arméniens qui sont dans l'armée ottomane, il y en avait à peu près 200 000. Il y avait des Arméniens qui se battaient dans l'armée ottomane contre des Russes arméniens qui se battaient pour les Russes. Vous voyez, c'était comme ça l'histoire. Donc ils vont les désarmer. Une fois qu'ils ont été désarmés, ils les passent tous par les armes. Il y aura déjà 200 000 Arméniens qui vont être massacrés dans l'armée ottomane. Et puis après 1915, 24 avril 1915, débute le grand génocide par le génocide des intellectuels. Et après le génocide de la plus grande partie de la population arménienne, ce qu'on appelle les sentiers de la mort. 1 500 000 Arméniens génocidés, plus les Syriaques génocidés, 500 000, les Chaldéens Syriaques, plus aussi ce que personne ne veut dire aujourd'hui et ce qu'on a copieusement oublié, le génocide par la faim des Libanais, orchestré par les Ottomans. Il faut savoir, si vous parlez à des Libanais, ils ont ce souvenir ancré dans leur histoire sanglante. Ils ont été affamés pendant 2-3 ans par les Ottomans, et les Libanais ont eu à peu près 500 000 morts, le génocide par la faim. Donc, les Arméniens, les Chaldéens, les Libanais, tout ça est génocidé. Rendons quand même hommage, alors je vais peut-être vous faire sourire, dans ce monde de brutes, rendons quand même hommage à M. Macron. Parce que cette semaine, M. Macron a décidé de rendre officielle la date du 24 avril, qui sera une date de commémoration du génocide arménien. Je ferme la parenthèse. Hein, je ferme la parenthèse, mais rendons à César ce qui appartient à César. Et termine 14 et arrive un personnage. Alors, les trois génocidaires, c'est les trois pachas, Talat, Enver et Djemel Pacha. Ils ont été jugés, ils ont été tous condamnés à mort par contumace, donc il y a toute une histoire là-dessus qui est des plus sympathiques. Si certains d'entre vous ont voyagé en Turquie, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont voyagé en Turquie? Oui. Est-ce que vous avez visité la ville d'Ankara?
pour certains d'entre vous, Ankara. Bien. Est-ce que vous avez pris un plan de la ville d'Ankara? Un plan cartographié, comme on prend un plan de la ville de Paris ou de Berlin. Si aujourd'hui vous visitiez Berlin et que vous preniez un plan de Berlin, et puis qu'à Berlin, en ouvrant le plan, vous voyez boulevard Adolf Hitler, qu'est-ce que vous penseriez? C'est quand même bizarre. Eh bien, si vous prenez le plan de la ville d'Ankara, vous avez le boulevard Talat Pacha, le grand génocidaire. Voilà, c'est magnifique, hein, ça existe. Et c'est avec ce pays-là qu'on va négocier l'entrée dans l'Union européenne. On en viendra par la suite. Alors, ça aussi, c'est le révisionnisme light de certains guides. J'en dis pas plus. J'aime bien taper dessus. Alors, 1923 apparaît un personnage. Alors, un personnage qui est atypique dans le monde arabo-musulman et qui n'est qu'une grande parenthèse. Mustafa Kemal Atatürk. Je dis bien une grande parenthèse parce qu'on va le voir avec Erdogan. Tout ça a bien disparu. Mustafa Kemal Atatürk, c'est un officier supérieur. Il était colonel pendant la guerre des Dardanelles. Il était colonel pendant la guerre à Gallipoli, c'est-à-dire l'offensive de Winston Churchill avortée, hélas, en 1915 à Gallipoli. Il était sous les ordres des officiers supérieurs allemands. Mustafa Kemal est à la tête d'un parti politique, les Jeunes Turcs, un parti nationaliste. Alors pourquoi un parti nationaliste en 1923? Parce qu'il faut le rappeler, en 1918-1919, nous sommes victorieux, nous les Français, nous les Britanniques, nous les Serbes, nos amis Serbes. N'oublions pas que les Serbes étaient nos alliés de sang. N'oublions pas, et là je vais faire un petit rappel et taper un peu sur notre cher président, que nos amis serbes ont perdu 20% de leur population pendant la guerre de 14 et que lors de la dernière commémoration de la fin de la guerre 1914-1918, au mois de novembre de l'année passée, le président serbe a été traité comme moins que rien par M. Macron, ce qui est un scandale, ce qui est proprement scandaleux. Il n'a pas été invité. Si, mais d'une façon lamentable, lamentable. Ce qui fait que si vous aviez lu la presse serbe après, c'était une indignation totale, à juste titre. Les Serbes ont été nos alliés. Le général Franchet d'Espéret, grand général qui est devenu maréchal, qui a libéré les Balkans, qui a libéré la Grèce, qui a libéré les Détroits, qui a libéré Constantinople, il était à la tête de troupes françaises, britanniques et serbes. Il leur rendait très souvent hommage. Voilà comment on garde la postérité de l'histoire, c'est une honte totale. Donc pourquoi vous dire tout ça? Pourquoi vous dire qu'en 1915, les Occidentaux, nous, et les Occidentaux qui ont donné des millions de morts, avaient repris le contrôle des Détroits, Bosphore et Dardanelles, et aussi de Constantinople. En février 1919, le général Franchet d'Espéret rentre à Constantinople à la tête de ses troupes en mémoire de la chute de Constantinople de 1453. On a refait la conquête de Constantinople. Qu'est-ce qu'on en a fait par la suite? Rien du tout, on a redonné les clés à nos amis turcs. Et en 1923, un nationaliste prend le pouvoir en Turquie, c'est Mustafa Kemal, en réaction au traité de Sèvres. Je ne vous parle pas du traité de Sèvres, s'il y a des choses à dire là-dessus, et en réaction aussi au traité de Lausanne. 1923, il reprend le pouvoir, et en reprenant le pouvoir, il repousse les Occidentaux, il repousse les Grecs, et il reprend le contrôle de la Turquie d'aujourd'hui, avec Smyrne, Izmir, qui était à l'époque encore peuplé de Grecs. Il met le feu à Smyrne, il met le feu à Izmir en 1923. Il y a entre 5000 et 10 000 Grecs qui sont brûlés vifs dans Smyrne, Izmir. Je ferme aussi la parenthèse, Mustafa Kemal. Donc cet homme-là, même si c'est un militaire nationaliste, qu'est-ce qu'il va faire de la Turquie de 1923-1925? Eh bien, il a un rêve. Il a un rêve, cet homme-là. Il a un rêve de faire de la Turquie un grand pays occidental. Parce qu'il a vu que les Occidentaux, au contact des Allemands, avaient des longueurs d'avance sur l'histoire, sur l'économie, sur la conscience politique. Donc il se dit, je vais faire de ma Turquie un grand pays moderne. Et ce pays moderne, eh bien, il va le faire en modifiant la Constitution. Il va faire adopter une constitution laïque. Excellent. Il va donner l'égalité entre hommes et femmes, il va donner le droit de vote aux femmes, il va permettre des universités mixtes et laïques,
il va interdire le port du voile et du fez. Le fez, c'est le petit chapeau turc qu'on voyait souvent sur les photos. Interdire le port du voile et du fez dans le lieu public, dans les lieux publics. Il va obliger les Turcs à s'habiller à l'occidental. Donc si vous prenez des photos de l'époque 1925-1930 sur l'Anatolie, ils sont tous habillés en costume avec des cravates, c'est impeccable. C'est... On se dit, mais bravo, j'applaudis dès demain. Un gouvernement laïque. Pour la petite histoire, pour l'anecdote, donc il développe l'économie, il véhicule toute cette idée de grande laïcité, et ça marche. Ça marche. Alors peut-être pas sur l'ensemble de la population, sur une population éduquée, je suis d'accord, sensible, il y aura quand même une grande partie de la population, on va le voir avec l'AKP, une grande partie de la population qui reste rurale et qui est peu sensible à tout ça. Mais malgré tout, ça marche. Et une anecdote pour nos amis danseurs, parce que je crois qu'il y a des amis danseurs ici dans la salle, pour nos amis danseurs. Ah, non, ah, ben justement, il n'en voulait pas. Justement, il n'en voulait pas. Notre Mustafa Kemal Atatürk était un danseur de danse de salon. Il aimait énormément le danse, les danses de salon. Donc il a voulu développer les danses de salon dans la Turquie de son époque. Donc il a obligé les grandes villes turques à avoir des écoles de danse. Ça c'est pour l'anecdote. Donc vous voyez à quel point ce pays, après la guerre de 14, en 1923, 24, 25, 30, j'allais dire, rentrait dans la modernité européenne, occidentale. Bah, c'était bien, si ça avait continué, pourquoi pas ? On séparait le politique du religieux, le religieux était remis à sa place, et on développait. Alors tout ça dure jusqu'à sa mort, 1938, ça va perdurer après la Deuxième Guerre mondiale, avec des gouvernements laïcs successifs qui vont continuer l'idée d'Atatürk Mustafa Kemal, bien sûr sous l'œil attentif de l'armée turque. L'armée turque était toujours là à veiller à la laïcité. À tel point que quand il y avait quelques relents de religieux, de ceci, de cela, dans les gouvernements successifs, qui étaient annoncés malgré tout laïcs, et bien il y avait des coups d'État. Il y a eu 3 coups d'État en Turquie après 1950, 1960, 71 et 1980. Des coups d'État militaires où les militaires remettaient un coup pour garder la laïcité d'Atatürk. Tout ça était très bien pour tout le monde. Avec en arrière-plan, et vous le savez, nos amis américains, qui étaient là parce que les Américains avaient une stratégie développée vis-à-vis de la Turquie, vous voyez la position géographique de la Turquie, au bas de la mer Noire, excusez-moi, au bas de la mer Noire, ce qui fait que les Américains rapidement ont intégré la Turquie dans l'OTAN. Intégrant la Turquie dans l'OTAN, on avait une base avancée contre l'Union soviétique. Tout ça était très bien pour tout le monde. Les Américains voulaient garder les militaires, les alliés turcs et les militaires turcs, leurs alliés. On avait un pouvoir civil, un pouvoir laïque. C'était bien pour tout le monde. Donc tout ça va perdurer jusque dans les années 70, 80, 87. Les Américains qui veulent continuer à promouvoir la Turquie laïque, pro-occidentale dans l'OTAN, vont la pousser à demander son adhésion à l'Union européenne. Et on arrive en 1987 avec la Turquie qui frappe aux portes de l'Union européenne et qui dit, ben vous voyez, moi je suis laïque, moi je suis un bon élève, je suis dans l'OTAN, tout va bien, je veux rentrer dans l'Union européenne. Économiquement, ça ne va pas si mal parce que depuis 20, 25 ans, 30 ans, quand vous regardez les chiffres, la Turquie a une belle croissance économique. Sur les, on va dire, les 20-25 dernières années, la croissance moyenne en Turquie, c'est 3-4% l'an. On aimerait bien avoir cette croissance en France. Hein? Pourquoi cette croissance? Parce que c'est un pays jeune. 1914, la Turquie, c'était 22 millions d'habitants, dont à peu près 2 millions d'Arméniens, après il n'y en avait plus. Aujourd'hui, la Turquie, c'est 84-85 millions d'habitants. Vous voyez la progression, avec une masse, une jeunesse importante, donc une croissance. Quand le pays est jeune, il y a de la croissance. Donc, les Américains poussent les Turcs à frapper à la porte de l'Union européenne. L'Union européenne, dans un premier temps, regarde ça d'un œil, j'allais dire, un peu discret. Et puis en 1999, alors c'est une date aussi charnière, en 1999, c'est le sommet d'Helsinki. Au sommet d'Helsinki, l'Union européenne reconnaît à la Turquie
le droit et la vocation à rentrer dans l'Europe. Qui dirige l'Union européenne à cette époque-là, du moins les deux grands pays qui sont la clé de cette adhésion? En France, c'est Chirac, et en Allemagne, c'est Schröder. Donc on voit là déjà que nos deux présidents et chanceliers, président français et chancelier, sont entièrement d'accord, se sont mis entièrement d'accord pour intégrer la Turquie dans l'Union européenne. Je vous le rappelle, on est en 1999-2000. Déjà à cette époque-là, on sait pertinemment qu'en Turquie, les frères musulmans sont en train et ont déjà pris le pouvoir. On a des services de renseignement qui nous informent de tout ça. On n'est plus totalement dans un État globalement laïque. On est dans un État qui commence à être rongé, pénétré par la philosophie des frères musulmans. Ça, on le sait. Malgré tout, vous avez Chirac et vous avez Schröder qui disent à nos amis turcs, on est prêt à vous donner les clés. Alors, on verra l'influence de l'Allemagne. Parce qu'il y a la France qui dit oui, les autres pays étaient quantité négligeable, il y a la France qui dit oui, mais l'Allemagne dit oui pour des raisons, et nous le verrons, pour des raisons économiques et mercantilistes. Les négociations démarrent, et comme pour chaque négociation, l'Union européenne va donner de l'argent aux pays candidats. Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque fois qu'il y a des négociations qui sont enclenchées, un processus enclenché, on va financer ce processus d'intégration qui peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, peu importe. On va le financer pour permettre aux pays qui revendiquent l'entrée dans l'Union européenne de satisfaire à des critères économiques, des critères politiques, des critères judiciaires, des critères sociaux, ceci, cela. Pour ça, il faut qu'ils aient de l'argent, il faut les aider financièrement. Donc, depuis, on va dire, 1999-2000 jusqu'à aujourd'hui, on estime que l'Union européenne, c'était des chiffres que j'ai trouvés sur les sites de l'Union européenne, on estime que l'Union européenne a versé entre 12 et 14 milliards d'euros à la Turquie. C'est pas mal, à nos amis turcs, hein? Bien. Donc, tout se passe bien, la négociation se développe, et puis on va arriver maintenant à 2000, l'année 2000, 2000-2002, la prise de pouvoir de l'AKP, c'est-à-dire des islamo-conservateurs, des frères musulmans en Turquie. Entre-temps, je regarde mon chronomètre, entre-temps, il s'est passé une petite chose. 1974, j'aime bien ces petits rappels historiques. Chypre. Est-ce que vous vous souvenez de Chypre 1974? Parce qu'en 1974, ne dis rien, en 1974, en Grèce, coup d'état des colonels. Je reviens pas là-dessus, c'est une autre histoire. Nos amis turcs prennent ombrage de tout ça et ont peur que le coup d'état des colonels en Grèce contamine Chypre, où Chypre avait une petite minorité turque, 15% à l'époque. Donc, pour prévenir tout ça, nos amis turcs, ils envoient l'armée et ils occupent militairement la moitié de l'île de Chypre. Donc, depuis, depuis 1974, la moitié de l'île de Chypre est occupée militairement par l'armée turque. Ça veut dire, et je résume, que nous avons engagé que M. Chirac, ce bon président que vous aimez tous, j'imagine, il vous rappelle des souvenirs, M. Chirac et M. Schröder ont engagé des négociations avec un pays qui est révisionniste, d'accord ? Avec un pays qui rassemble aucun des critères démocratiques et avec un pays qui militairement occupe un autre pays qui fait partie de l'Union européenne, parce que Chypre fait partie de l'Union européenne. C'est quand même assez saisissant. Mais on négocie avec ces pays-là. Nous, les grands démocrates. Hein. Alors, on donne des leçons sur toute la planète, mais on est prêt à négocier avec un pays un peu particulier. Alors, je le répète, je n'ai rien contre nos amis turcs, qui sont dans une logique claire. Hein, que moi, je serais turc et membre de la confrérie des frères musulmans, j'applaudirais dès demain. Parce qu'ils sont dans une cohérence. Nous, on est dans un chaos total. Petite chose aussi, l'Union européenne, pour vous montrer à quel point l'Union européenne est une traîtrise. Et je mesure mon propos, l'Union européenne est une traîtrise. Là, j'ai un document qui provient du Parlement européen. Nous avions fait une visite il y a quelque temps, qui était excellente à Strasbourg, grâce à toi, c'était
et Bruno Gollnisch, nous nous sommes régalés. J'ai pris un certain nombre de documents, parce que moi j'aime bien la géographie, j'aime bien la géopolitique, j'aime bien m'intéresser à ça, puis j'ai pris une carte éditée par l'Union Européenne, c'est cette carte, une belle carte, on la verra tout à l'heure pour nos amis des Balkans. Ici, vous avez l'île de Chypre, la petite île de Chypre en mer qui fait partie de l'Union Européenne. Eh bien, les cartographes de l'Union Européenne ne mentionnent absolument pas que cette île est coupée en deux, occupée militairement par la Turquie. C'est du révisionnisme géographique. Mais où va-t-on? On a des documents qui sont des faux documents publiés par l'Union Européenne. Voilà où nous en sommes. Et on me demande à croire à ce projet d'Union Européenne. Voilà. Je ferme la parenthèse. Alors, 2000 arrive au pouvoir l'AKP. L'AKP, c'est le parti du président Erdogan. Donc Erdogan vient d'un milieu populaire. Il avait été maire de Constantinople. Il avait même été en prison, emprisonné par les militaires parce qu'il avait des... Bon, il montrait déjà des velléités religieuses. Hein. Il n'y a pas eu de coup d'État religieux en Turquie. C'est un pouvoir légal. Pourquoi pouvoir légal? Parce qu'il voulait redonner au peuple les fruits de la croissance. Je vous l'ai dit, il y a une forte croissance en Turquie, les fruits de la croissance. En plus, ce peuple-là est quand même resté en Anatolie relativement agricole. Donc agricole, religieux, il les prend dans le sens du poil. Donc il arrive à se faire élire et obtenir l'adhésion de son peuple. Depuis donc 2000, 2002, 2003, il est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui et visiblement il va rester au pouvoir jusqu'en 2023. Malgré tout, il est confronté à un certain nombre de situations difficiles, des contestations dans son propre pays parce qu'il y a aussi des intellectuels, on va dire, de gauche, des libres penseurs, des écolos, qui commence à manifester en Turquie, donc il y a la manifestation du parc Gezi en 2013. C'était un grand parc qui se trouve à Constantinople, qui devait être détruit pour créer des constructions, et puis les écologistes turcs ont manifesté, il y a une violente répression. Donc il y a quand même une opposition, mais qui n'est pas suffisante pour déstabiliser ce pouvoir religieux. Ensuite, il y a eu le dernier coup d'État, enfin, pseudo-coup d'État 2016, vous en avez tous entendu parler. Alors, on ne sait pas qui est derrière. On ne sait pas qui est derrière ce pseudo-coup d'État, si c'est vraiment les militaires, si ça a été organisé par le pouvoir pour créer une contre-révolution, je ne sais pas du tout, il y a beaucoup d'ambiguïté là-dessus. Malgré tout, Erdogan prend prétexte de ce coup d'État en 2016 pour organiser la pire des purges qu'on ait jamais connue en Turquie. Pire des purges, c'est quoi? Ça veut dire que depuis 2016, il y a plus de 50 000 personnes qui sont en prison sans jugement. Depuis 2016, des centaines de journalistes sont en prison. Depuis 2016, il n'y a plus de presse d'opposition, il n'y a plus un seul journal d'opposition. Plus un seul journal d'opposition. Depuis 2016, on estime à 150 000 personnes, des fonctionnaires pour la plupart ou des militaires, qui ont perdu leur emploi, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pourrais vous décliner tout ça. Donc la Turquie... depuis 2016, depuis ce coup d'État étrange, est entré dans un processus de répression totale. Répression totale. On estime maintenant qu'Erdogan, c'est le nouveau sultan. Alors, on a maintenant un pays gouverné par des religieux, par les frères musulmans. Ils ne s'en cachent pas, d'ailleurs, quand vous voyez la femme d'Erdogan, elle a le foulard, c'est les frères musulmans, c'est la confrérie des frères musulmans. Un pays qui est corrompu. Aussi, on a vu que la Turquie jouait un double jeu pendant la guerre de Syrie. Vous savez, la Turquie a une frontière de plus de 900 km avec la Syrie. Elle a fait un double jeu parce qu'elle a recyclé le pétrole qui avait pris Daesh. Daesh exploitait des gisements de pétrole syriens une fois qu'ils avaient pris le contrôle dans les premières années de la guerre. Et puis Daesh, avec ce pétrole, il ne savait pas quoi en faire. Excusez-moi, j'ai une grosse bronchite. Il prenait des camions, il traversait la frontière turque et il revendait ce pétrole à des trafiquants turcs avec l'aval du gouvernement actuel. Donc il y a une collusion qui est peut-être moindre maintenant puisque Daesh a été en grande partie liquidé, mais au début de la guerre, une collusion entre le pouvoir turc et Daesh. Tout ça dans une idée parce que, on va le voir par la suite, Erdogan a une vision large
de son pouvoir et une vision large de ses ambitions pour la Turquie d'aujourd'hui. On va le constater dans ses discours. Donc on se trouve avec un pays qui est quand même corrompu, plus aucune presse d'opposition. Il y a eu le cas du prédicateur Fethullah Gülen. Vous le savez aussi, Fethullah Gülen, c'est un grand prédicateur turc musulman, une grande intelligence qui avait développé des zones de réflexion, qui avait développé des écoles, qui avait fait des séminaires, qui était influent au niveau des médias et de la justice. C'est Fethullah Gülen qui a permis à Erdogan de prendre le pouvoir. Donc pendant quelques années, ils étaient amis comme pas possible. Ensuite, Erdogan a pris ombrage de Fethullah Gülen, l'a traité de terroriste, et Fethullah Gülen est obligé de s'exiler aux États-Unis. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est un jeu d'alliance qui existe, qui n'existe plus, avec maintenant un président sultan, autoritaire, qui contrôle l'intégralité de la Turquie et qui donne une influence religieuse à la Turquie. Sous les yeux, bien sûr, des Occidentaux qui regardent les bras croisés et qui ne remettent toujours pas en cause l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Dernière chose aussi, avant de parler de l'aspect économique, d'un petit aspect économique et de nos amis allemands, dernière chose aussi, vous savez que M. Erdogan a la liberté d'aller faire des meetings en Europe quand il y a des campagnes électorales. Alors là, les bras m'en tombent, mais on lui donne les clés de l'Europe. Et là, cette possibilité d'aller faire des meetings. Donc il y a 3 ans, il a fait un grand meeting à Strasbourg. M. Erdogan s'est déplacé en Strasbourg, on lui a donné une immense salle. Et il a parlé devant les Turcs français, les Turcs hollandais, les Turcs allemands. Sachant que dans cette immense salle, il a scindé en deux les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Écoutez bien, quand même, c'est surréaliste, mais ça existe dans notre pays. On autorise dans notre pays un discours politique qui permet la ségrégation entre femmes et hommes. Et vous voyez, où en sommes-nous? Et pendant ce discours, pendant ce grand meeting politique, Erdogan a dit une chose parmi d'autres, mais une phrase aussi qui résonne et qui est en résonance avec ce que disait Soliman le Magnifique. Il a dit à ses concitoyens turcs, ces dizaines de milliers de Turcs qui l'applaudissaient avec les drapeaux turcs, il leur a dit « Concitoyens turcs, vous devez vous approprier l'Europe. Vous devez vous approprier l'Europe. » C'est en résonance avec la phrase de Soliman qui disait « Toutes les alliances sont possibles avec les princes chrétiens, mais n'oubliez jamais les buts ultimes que sont la conquête et la conversion. » La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Atatürk Mustafa Kemal n'était qu'une parenthèse laïque dans une grande continuité historique. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen l'a souvent répété, une grande continuité historique de l'Empire ottoman, une grande logique de l'Empire ottoman. Voilà où nous en sommes pour le moment. La lâcheté occidentale a fait qu'on a accepté des négociations, on leur a pratiquement filé les clés, et on est là à se croiser les bras en regardant un État totalitaire. Alors, il n'y a pas que des raisons politiques à tout ça. Il y a des raisons économiques. Et les raisons économiques, c'est nos amis allemands. Ah, nos amis allemands, qu'est-ce qu'on ferait pas sans eux, hein? Nos amis allemands. Alors, pour vous dire à quel point il y a la traîtrise de nos amis allemands, je le dis souvent, mais je suis pas germanophobe, je suis plutôt germanophile, comme je disais à mon camarade, ayant des très lointaines origines autrichiennes, j'aime beaucoup l'Allemagne, j'aime beaucoup les pays de langue allemande et la langue allemande. Mais malgré tout, je dois dire qu'il y a une traîtrise de nos amis allemands. Et cette traîtrise, je vais terminer mon propos sur la Turquie en vous disant 2-3 lignes d'un édito qui a paru dans le FAS. Le FAS, c'est le Frankfurter Allgemeine Zeitung. C'est un grand journal de Francfort qui est le journal des conservateurs et des industriels, des entreprises. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est un article qui est paru en 2014 sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Le titre de cet article, c'est « Tout nous unit à la Turquie ». C'est déjà dit, tout nous unit à la Turquie, venez les amis rentrer. Une première phrase. Les Turcs ont massivement participé à l'histoire de l'Europe en tant que puissance européenne et en tant qu'alliés d'autres puissances européennes. Oui, ils ont essayé de nous envahir pendant 7 siècles. Vous voyez à quel point on retourne l'histoire, on modifie le sens de l'histoire. Nos amis allemands, je les aime bien, hein, mais
Il nous suicide. Il nous suicide. Le journaliste continue. Alors là, c'est somptueux. L'Europe, faut-il le rappeler? Écoutez bien. L'Europe, faut-il le rappeler, n'est pas un continent aux contours clairement définis comme le sont l'Australie ou l'Afrique. Donc l'Europe, ça serait quelque chose assez étrange qui pourrait aller jusqu'en Asie, au-delà de l'Oural, qui pourrait descendre au-delà de la Méditerranée. Non mais où va-t-on? Où va-t-on? Des conneries pareilles. C'est écrit dans le plus grand journal allemand. Mais tout ça, c'est de la bonne propagande. Alors, je signifie aussi que le gouvernement turc Erdogan se paye très souvent des pages entières de publicité dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hein, voilà. Autre perle, et je pourrais vous en dire, la Turquie comme l'un des berceaux de l'Europe, alors on estime que la Turquie est un des berceaux de l'Europe, à l'inverse, après la conquête de Constantinople, c'est la plus grande église chrétienne de l'époque, Sainte-Sophie, qui a servi de modèle aux mosquées. Magnifique! Il nous pique Constantinople, il nous pique Sainte-Sophie, on est content que ça serve de modèle aux mosquées. Quand ils nous auront piqué Fourvière, qui servira de modèle aux mosquées, on sera aussi content. Non mais... c'est écrit en 2014 dans un grand journal allemand. Une dernière chose aussi, je pourrais tellement vous en dire à propos de l'adhésion. Donc le sommet européen de Thessalonique a ouvert une perspective, on va voir tout de suite après, d'adhésion pour l'Albanie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, alors là, voilà, qui ont tous été des pays marqués par l'influence musulmane, sans compter que des millions de musulmans vivent déjà au sein de l'Union européenne, nous n'avons aucune raison de refuser l'adhésion de la Turquie. La boucle est bouclée. Mais là, j'arrête là-dessus parce que c'est... Tout est dit. La traîtrise des politiques européens, Chirac, Schröder, tous, ce ne sont que des traîtres, ce ne sont que des traîtres. Les industriels et le mercantilisme allemand, qui est résumé dans cet article, le mercantilisme allemand, qui, je le répète, nous emmène à la catastrophe, nous a déjà conduit à la catastrophe avec l'euro Deutsche Mark. C'est l'égoïsme allemand. Un chiffre. Depuis 20 ans, les Allemands ont implanté plus de 7000 entreprises allemandes en Turquie. Les Allemands sont les premiers investisseurs en Turquie depuis 25 ans. Les Allemands investissent beaucoup plus en Turquie depuis 25 ans qu'ils n'investissent en Grèce, qu'ils n'investissent en Espagne, au Portugal, en Italie, dans les pays pauvres d'Europe du Sud. C'est une honte. Mais il faut que les Allemands sortent de l'Europe, on n'en veut plus de ces gens-là. Mais on n'en veut plus. C'est eux qui nous perdent économiquement. Hein. Dernière chose, la diaspora turque. La diaspora turque, c'est à peu près 5 millions de Turcs qui sont répartis en Europe. L'Allemagne compte environ 3 millions de Turcs en diaspora, nous 500 000 à peu près. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc à la fois traîtrise des Occidentaux, complaisance totale des Allemands au niveau d'aspect économique. On se masque la vérité sur un pays qui n'a aucun des critères démocratiques pour intégrer l'Union européenne. Aucun. Et dernière chose, qui est une chose qui a trait à la démographie, parce que c'est la démographie qui fait l'histoire. Regardez la Chine un jour, on fera peut-être une conférence sur la Chine qui est la grande menace, qui va être la grande menace des 5 années qui viennent. C'est la démographie qui fait l'histoire. L'Union européenne, aujourd'hui, avec la Grande-Bretagne, c'est 510 millions d'habitants. Demain, sans la Grande-Bretagne, avec le Brexit, ça va être 450 millions d'habitants. Ouais. 450 millions d'habitants. Si la Turquie rentre dans l'Union européenne, dans 3, 4, 5 ans, la Turquie aura 90 millions d'habitants. 90 millions d'habitants par rapport à 450 millions, ça fait 20%. La Turquie représentera au Parlement de Strasbourg 20% des députés. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Donnons les clés aux frères musulmans. On leur a déjà donné les clés. Attention, donnons les clés. Les clés sont déjà données, puisque ça fait des années qu'ils s'infiltrent doucement en Europe occidentale. Mais vous voyez, simplement le regard du démographe et de l'évolution des populations sur l'Europe par rapport à ce qui se passe à la fois au Moyen-Orient, chez les arabo-musulmans et sur les Turcs, nous fait dire qu'on aurait dû refuser, mais tout de suite, toute demande d'adhésion. Bien sûr, on ne nous a pas sollicité, il n'y a pas eu de référendum, rien du tout. Donc je termine là-dessus, et puis on va attaquer sur les Balkans, parce que je pourrais vous dire tellement d'autres choses. Les Balkans. Alors les Balkans, c'est une autre
c'est une autre chose. Parce que c'est plus somptueux parce qu'ils sont déjà chez nous. Ils sont déjà en Europe. Ils demandent leur adhésion, mais ils sont déjà en Europe. Alors, autant la Turquie, on pouvait considérer que la Turquie, et on considère que la Turquie n'est pas dans l'Union Européenne, n'est pas en Europe, autant les Balkans, c'est l'Europe. Eh oui, les Balkans, c'est l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Mais ce n'est pas parce que c'est l'Europe qu'on est obligé de les intégrer. Alors, dans les Balkans, vous avez, et je vais aller relativement vite, mais c'est très rapide, parce que ils sont tous pareils, nos amis des Balkans. Ils sont tous pareils. Et je vais vous montrer des coupures presse. Dans les Balkans, vous avez le Monténégro. Le Monténégro, c'est 600 000 habitants. Alors, le Monténégro, c'est un tout petit pays qui a une côte sur l'Adriatique, paraît-il, qui est magnifique. Mais le Monténégro, le titre d'un article, un narco-État aux portes de l'Europe. Trafic de drogue. Il n'y a que ça au Monténégro. Ils font venir de la cocaïne d'Amérique du Sud, ça transite par le Monténégro. Ensuite, vous avez toutes les mafias russes qui sont au Monténégro. Hein, la rivière russe, c'est au Monténégro. Ils ont pris tout le contrôle, les mafias russes. Donc vous avez le Monténégro, trafic de drogue, mafias russes. Mais malgré tout, on les pousse à rentrer en Union Européenne. Mais enfin, c'est les Américains qui sont derrière, parce que les Américains veulent installer des bases de l'OTAN. Ils ont déjà, c'est déjà fait pour un certain nombre de pays, donc il y a des arrières pour ça. La Macédoine, autre petit pays, pareil, 2 millions d'habitants. Macédoine qui a reconsidéré son nom, puisque ça s'appelle maintenant République de Macédoine du Nord, parce que nos amis grecs contestaient, certainement à juste titre, le nom de Macédoine. Donc ils se sont rebaptisés République de Macédoine du Nord. Donc la Macédoine tape à la porte pour entrer dans l'Union Européenne. Pareil, les Américains viennent cette semaine de signer l'établissement d'une base de l'OTAN. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Ah, et puis l'Albanie. Alors l'Albanie, c'est quoi? Alors l'Albanie, c'est un beau pays, c'était une dictature, une des pires dictatures communistes pendant 30 ans, l'Albanie. L'Albanie, c'est 3 millions d'habitants. Sur ces 3 millions d'habitants, vous en avez le tiers, 1 million, qui sont déjà en Europe. On leur a déjà donné la clé, ils n'ont pas attendu, ils sont tellement contents, ils n'ont pas attendu. Précisons aussi que depuis, je crois, 1 an et demi, 2 ans, les Albanais n'ont plus besoin de visa pour entrer en Europe. On a supprimé la nécessité du visa, donc ils rentrent comme ça. Alors des Albanais, il y en a de partout, hein, à tel point que Colomb s'angoissait, un article récent, la méthode Colomb pour tenter de réduire l'afflux des Albanais. C'est les premiers demandeurs d'asile. Il n'y a pas la guerre en Albanie. Bon, il y a la pauvreté. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans tous les pays du Balkan, le chômage, c'est entre 30 et 40%. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien du tout. Ils sont gangrenés par toutes les mafias. Prostitution, drogue, trafic d'armes, tout ce que vous voulez. Donc, notre ami Colomb se disait, mais comment je fais pour arrêter nos Albanais? Des Albanais, vous envoyez à Lyon, vous envoyez un peu partout en France. Alors, des articles sur l'Albanie, il n'y a que ça en ce moment. Les mafias albanaises de plus en plus implantées en France. C'est sur Lyon, les mafias albanaises qui contrôlent la drogue, la prostitution, tout. J'en avais un dans ma résidence. Voilà, ben oui, non mais on en a... C'est justement du trafic de drogue. Voilà, très très bien. Alors, pareil, tout ça c'est des articles que j'ai pris récemment dans la presse, je ne les ai pas inventés. On sait que l'Albanie à qui on va... préparer l'adhésion dans l'Union Européenne, c'est un pays mafieux, c'est un pays de trafic, enfin tous ces pays des Balkans, ce n'est que ça, et on va négocier avec ça. En plus, vous savez, c'est un pays musulman, hein. C'est un pays qui a été sous l'emprise ottomane, au temps jadis, avec le Kosovo, je vous parlerai aussi du Kosovo. Regardez une chose aussi, c'était dans le Progrès il y a quelques semaines, une amicale laïque dans la Loire comme camp de base des Albanais à Firminy. C'était l'amicale laïque des Albanais à Firminy. C'était leur grand centre de trafic de cam. Allons-y, voyez, c'est magnifique. Un kilo d'héroïne, vous avez que ça. L'héroïne était pure, 2 enfermes pour les Albanais, vous avez que ça. Et puis vous avez le Kosovo. Alors j'arrête avec les Albanais, vous avez le Kosovo. Kosovo, c'est une entité créée par les Américains. Pareil. Je ne vous rappelle pas les bombardements américains en Serbie en 1999. Tout ça, c'est Bill Clinton qui a tout déstabilisé. Merci la famille Clinton. Hein. Je referme la parenthèse. Donc, le Kosovo, c'est une entité créée par les Ricains.
Le Kosovo appartenait, c'était une région de la Serbie. On l'a détaché de la Serbie. C'est comme si on nous détachait l'Alsace et la Roanne. On a détaché le Kosovo de la Serbie. Maintenant, le Kosovo est une entité indépendante reconnue par 110 pays sur 195, qui est complètement invivable, où il y a des minorités serbes qui sont l'objet de grosses difficultés, de tracasseries. Si ce n'est de pogrom, on en parle très très peu. Le Kosovo, c'est un État totalement mafieux, peuplé en partie d'Albanais. Donc, ils passent de l'Albanie au Kosovo, du Kosovo à l'Albanie. Et comme l'Albanie n'a plus besoin de visa pour venir en Europe, les Kosovars viennent aussi avec leurs cousins albanais. Tout est beau dans ce beau monde. Donc, on se trouve confronté à cette situation. Et puis, vous avez en dernier ressort sur les Balkans, c'est l'ancienne Bosnie-Herzégovine, qui est maintenant divisée en deux entités, une entité croato-musulmane et une entité serbe. Pour dire à quel point c'est compliqué. Deux entités qui constituent la Bosnie-Herzégovine, et là aussi, ils ont des demandes d'intégration à l'Europe, parce qu'ils savent que l'Europe, pour eux, c'est une bouée de sauvetage. Il y a du chômage, il y a tout. Sachant aussi que dans ces entités, surtout l'entité croato-musulmane, vous avez des camps d'entraînement de djihadistes au nord de l'entité. Voilà tout ce qu'il faut vous dire là-dessus. Donc pour se résumer, on a les Balkans qui veulent tous intégrer l'Union européenne. Pour un certain nombre de ces pays, ce sont des pays musulmans. On l'a vu, l'Albanie, le Kosovo, une partie de la Bosnie. Pour tous ces pays, ce sont des pays mafieux, mais des mafieux, c'est leur culture, c'est leur façon de vivre. Moi, j'ai rien contre, attention. Je suis pas critique vis-à-vis de ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent, ils vivent comme ils veulent. Si nous avions des frontières protégées et gardées, ils vivraient comme ils voudraient vivre. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Mais je n'ai pas envie et je ne veux pas les intégrer à l'Union européenne. Nous n'avons aucun lien, sociétal et j'allais même dire culturel, actuel pour les intégrer. Peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, s'ils ont fait leur révolution, si leur pays s'est démocratisé, plein de choses, mais pour le moment, c'est totalement exclu. Malgré tout, ils veulent, pour des raisons économiques, et parce qu'aussi les Américains sont derrière, les Américains installent des bases. Les Américains ont installé une de leurs plus grandes bases terrestres au Kosovo. La plus grande base terrestre du Kosovo, c'est une base américaine, et c'est elle qui fait vivre une partie des Kosovars. Donc, vous voyez, tout est lié. Les Américains sont derrière. Donc j'arrête le propos là-dessus sur les Balkans. Nous sommes confrontés, pour terminer l'histoire, qui est une histoire dramatique, attention, on en parle ce matin, mais pour moi c'est dramatique, que ça soit la Turquie, un système des frères musulmans, que ça soit les Balkans, des entités mafieuses, voilà ce qui nous attend pour la nouvelle Europe. Donc cette nouvelle Europe, je vous le dis tout juste, avec calme et fermeté, Je n'en veux pas. Nous devons reconstituer une Europe solide, une Europe des nations. Une Europe des nations avec des frontières, avec des défenses à nos frontières et avec des cohérences économiques. Et puis si les Allemands veulent jouer un jeu différent, ben ils s'en vont. On fera l'Europe avec d'autres, on fera l'Europe avec d'autres pays, peu importe. Je termine le propos là-dessus. J'espère qu'on a évoqué l'essentiel. On a tenu la distance. Maintenant, c'est bon. Au niveau du timing, hein, je voulais tenir un peu la distance. Il y a plein de choses que je n'ai pas évoquées, il y a plein de documents que je n'ai pas évoqués, peu importe. Ah si. Une dernière chose. Et ça, je l'ai pris dans le progrès de cette semaine. Pour vous dire, quelquefois, dans le progrès, il y a des petits articles qui sont pas mal dans le progrès de cette semaine. Ils racontent pas que des conneries. Oui, non mais, il faut voir. Grèce et Turquie, fin du contentieux, point d'interrogation. Pourquoi? Parce que le Tsipras, le président, premier ministre grec, le président de Grèce, est allé en Turquie. Ils essayent de resserrer des liens pour rencontrer le dictateur président frère musulman Erdogan. Il faut savoir que ce dictateur président Erdogan, et c'est rappelé dans l'article, se met maintenant à contester le traité de Lausanne. Ils ont refusé le traité de Sèvres 1920, ils se mettent à contester le traité de Lausanne de 1923. Et qu'est-ce qu'ils contestent en contestant le traité de Lausanne?
c'est les frontières actuelles qui délimitent les frontières maritimes entre la Grèce et la Turquie. Ça veut dire que le dictateur sultan ottoman Erdogan, qui est au pouvoir actuellement en Grèce, que j'aime bien, moi je vous dis, je serais turc, je dis bravo, il est bien ce garçon, il est bien, et bien il veut reprendre le contrôle de certaines îles, qui sont actuellement des îles grecques. Voilà où nous en sommes, voilà où nous en sommes, et ça, faut le dire, c'est, si on commence à reconsidérer tous les traités, parce qu'il y a une vision ottomane, une vision impérialisme de grandeur, il est dans sa cohérence. Monsieur Erdogan, président turc, est dans sa cohérence. Voilà. Mais nos amis frères musulmans, mais ils ont entièrement raison. Moi, je le dis, ils sont dans cette logique. On ne les empêche pas. On leur donne les clés de l'Europe et de nos institutions. Ils auraient tort de se gêner. Ils arrivent enfin au bout de leur, j'allais dire, non pas de leur conquête, mais de leur objectif. Ils ont des objectifs précis. Ils suivent leur plan de route, leur feuille de route. Petite chose aussi, je ne vous ai pas parlé de la situation des Kurdes. Les Kurdes auraient dû prétendre, avec le traité de Sèvres, à un État. Les Kurdes, 40 millions d'habitants répartis sur 4 pays, n'ont toujours pas d'État. Les Kurdes nous aident beaucoup actuellement dans la lutte contre l'État islamique, puisque bon, c'est eux qui font le travail au sol. Les Kurdes se rachètent. Vous savez pourquoi que les Kurdes se rachètent ? Parce qu'en 1915, les Kurdes ont participé activement au génocide des Arméniens. Ça, on vous le dit plus maintenant. Et des Grecs. Donc, ils se rachètent. Je ferme la parenthèse. Mais toujours le problème kurde, oui. Ils occupent le nord. Les Kurdes ont une bande de terrain au nord de la Syrie, qui est maintenant une sorte de Kurdistan syrien, contesté par Erdogan, puisque Erdogan ses ennemis héréditaires maintenant, que sont le PKK, c'est-à-dire le PKK, c'est la branche révolutionnaire armée des Kurdes. Je ne vous ai pas parlé d'Öcalan, qui est en prison à vie depuis 1999, c'est le leader du PKK. Öcalan a été arrêté en 1999, le Kurde, le leader des Kurdes, au Kenya, avec l'aide des Américains et des Israéliens. Je referme aussi une autre parenthèse. Voilà.